chaud de venir dormir à Milly? Non, désolé, flemme. Moi, refuser ça? J'ai déjà dormi dans des jeux de fast-food, un trampoline park, un karting. J'arrive dans 5 minutes. Oh, t'as beaucoup à manger, les gars. Attends, bien, j'avais faim. T'inquiète, je suis là. Mais attends, en fait, attends. Non, alors attends, il y a trop, là, c'est pour 5 personnes. Ah non, mais tout ça, là. Vous êtes là toute la nuit, les gars. On va prévoir pour toute la nuit. Wow, oh, il est trop bon celui-là. Oh là là. Oh, le morceau de cornichon. Et on dit merci qui? Merci Michou. Attends, t'as déjà fini le burger? Nel, c'est un malade. Je mange tout le temps comme ça. Bon. Mais là, on va dormir immédiatement en fait. Je savais même pas qu'il faisait des wings à Milly. Ouais. Petit McFlurry, t'es qui a pas compris. Non, ouais, on la clé de Milly. La clé du Milly. Ça y est, on est au Milly solo. On est enfin tout seul, ça y est. Parfait. Par contre, s'il n'y a pas de clim, il fait très chaud, on va mourir. Ah ouais, ok les gars, comme premier petit jeu, le Twister. C'est quoi? Ah, le truc des mains rouges et vertes. En plus, c'est un jeu qui fait super chaud, c'est super agréable. C'est pas grave, on va se coller les uns aux autres. En fait, c'est ça. En fait, j'ai vu ça, cette photo. Si, j'imagine nous trois en fait. Tiens, je peux déplier ça, s'il te plaît. Montre encore plus que t'as envie de jouer, s'il te plaît. Le pied gauche sur le verre. Trop marrant. Faire foutre. Ouais. Main droite sur le jaune. Ah, ça commence avec la main. Pied droit sur le jaune. Ok. Pied droit bleu. Voilà. Pied gauche bleu. Mais je suis déjà dans la pire position. Pied gauche vert. Main gauche bleu. Oh, allez, tu vas faire Spider-Man. Ah, pied gauche jaune. Main droite bleue. Tu sens que t'as perdu, hein, grosse merde. J'ai perdu. Main droite bleue. Pied droit rouge. Va te faire foutre. Main gauche vert. J'ai perdu, frère. Il m'a poussé. Est-ce que vous connaissez le jeu de la confiance? Tu es assis en face de ton pote, avec deux cloches en face de nous. Sous l'une se cache quelque chose de sympa, mais sous l'autre, c'est un truc horrible, ou carrément nul. Tu devras soit mentir, soit dire la vérité à ton pote. Dans une des cloches, il y a un marbré au chocolat. Et dans l'autre, il y a un marbré au chocolat avec la piment sa mère. Et tu dois manger le marbré entièrement. Alors choisis bien, là, ouais. C'est le marbré au chocolat, sans le piment. Okay. Et ici, c'est le marbré au chocolat pimenté. Ok. Donc moi je te dis, choisis celui-là et t'auras pas mal au ventre de la soirée. Et celui-là, t'auras mal au ventre. Maintenant, à toi de voir, est-ce que je mens, est-ce que je dis la vérité. Et vous aussi, vous savez pas. Dites dans les commentaires, à votre avis, c'est quelle cloche. Tu mens? Là? Ouais. Non. Non. Tu mens? Non. Non. Tu mens? Non. Toujours pas, non. Super drôle ce qui se passe, là. Je stresse pour toi. Donc dans celle-là, ça pique? Non, elle, ça pique. Elle, ça pique. Donc dans celle-là, ça pique pas? Non. Quel choix vas-tu faire? Est-ce que t'es mon pote? Oui. T'es mon pote? Ah ouais. Tu me mentirais pas? Non. Ok. Bah je prends elle. Oh mais ça se voit tellement. Tu mens. Je répète, est-ce que tu prends celle-ci ou pas? Allez, 3, ouais, 2, 1. Ah je prends elle. Oh là là, il a fait, il a pris. Bah je te laisse ouvrir et manger, tu vois si du coup c'est celui-là ou pas. Je peux voir lui? Rapidement. À quoi il ressemble? C'est pas cramé en tout cas. Ah, on referme. T'as assez analysé. Ah, tout, vas-y, d'un coup. D'un coup. Non, c'était celui-là. Oh. Je te dis la vérité, mec. Ta-da-da-da. Ouais. Bah, on passe au prochain, c'est parti. Ok mec, t'es prêt? Mec, ouais, je t'ai préparé un vrai truc. Alors, là, t'as 100 balles. Et là, tu me donneras 20% des AdSense de cette vidéo. 20%? Ouais, ouais. Mais en vrai, fais-moi confiance. Prends les 100. 20%, c'est au moins un centième de la vidéo. Et encore, ça peut monter, tu sais, la vidéo elle pète, ça peut être bien. Ah, crois-moi, si tu prends les 20% d'AdSense pour moi, mais je vais tout faire pour que la vidéo elle marche, hein. Je vais la partager partout. C'est pour ça, tu sais quoi, vas-y, j'ai envie de te faire un don, prends les 100 balles. Tu sais que c'est vraiment de la tube, bon, là, les gens vont te détester. Mais attention, si tu prends la mauvaise, gros, j'aurai 20% des AdSense. Ah, ok. Ah oui. Ok, 100 balles à côté, sérieux. 20%, frère. Alors, ici, il y a les 100.
Ouais. Val, si la baise pour moi. La baise pour moi, ouais, ça, tu te fais niquer. La baise, regarde. C'est pas ici les 100 balles? Non. C'est là. Mais en vrai, 20% de AdSense, c'est quoi? Prends les 100 balles, gros, vraiment. En plus, tu t'es bientôt en vacances. 100 balles, c'est presque un billet d'avion là pour aller où tu vas. Peut-être pas quand même. Faut pas abuser. Pas abuser non plus, je pense. T'es sûr? Attends, c'est ton dernier mot? 3. Attends. Dis 3. 2. Attends. Vas-y, 3. T'es sûr? 2. 1. Non, sûr. Je crois elle. Je te fais confiance. T'es mon pote. Vas-y. Putain, j'ai trop elle. La scène, gros, il a rien, il a perdu 100 balles. Oh putain, j'ai trop la haine. Je me suis dit, Seiya, c'est mon ami, il va pas vouloir prendre mon argent, il va vouloir m'en donner. C'est le but d'un ami quand même. Ouais, de fou, en vrai, je vais tomber bien, j'ai trop la haine, putain. On passe à la prochaine manche. Je tiens à te prévenir tout de suite, tu n'as pas le droit de toucher aux cloches. Ok. Tu fais ton choix, genre pour faire ton choix, tu dois mettre ta main au-dessus. Dans cette cloche, il y a les clés de ta voiture. Dans cette cloche, il n'y a rien. Si tu choisis cette cloche où il y a les clés de ta voiture, tu gardes ta voiture. Par contre, si tu prends celle-là, ouais. Et bah moi je vais soulever celle-là, je vais prendre tes clés, je vais la garder pendant une semaine. Allez, le type. Attends. Il fait juste une voiture, le mec. Parce qu'il sait que je pars en vacances samedi. Oh, le bâtard. Une semaine, t'as ma voiture. Attends, tu m'as dit, ici, c'est ma voiture? Non, ici, il y a ta voiture. Ici, il y a rien. Est-ce que je mens ou pas? Oui. Quoi? Je mens pas. C'est lui qui m'a fait rire. Pour moi, c'est simple. Ici, il n'y a pas mes clés, mais ici, oui. C'est maintenant. Je suis prêt. Sur toi? Ouais. Cette situation est un peu dégueu. Merci. Oh putain! Ah oui! Putain, le bâtard, il allait m'avoir! Il a trop le seum! Une semaine, ma carte! En fait, il avait tout calculé, mec! Je me suis dit, mais une semaine, c'est impossible, comment je vais faire? Eh bah, tu sais quoi, ça tombe bien! Parce que c'est toi que je vais prendre là! C'est parti! Oh. T'es prêt? Regarde! Ok! Je stresse pour toi. Ah ouais, alors, faut que tu te concentres à 1000%, c'est ça. Ok, à 1000%. Ok, très simple. Ici, il y a une tondeuse. Non. Donc, tu choisis soit les cheveux, soit un sourcil. Non, putain, la fille de ma mère, t'as un baiser. Ou alors un trait dans le sourcil. Si t'as la tondeuse, donc celle-ci qui est là, un trou dans le sourcil. Si Ractas, choisis la cloche. Ouvre. Oh putain, oui. Oh pitié, oui. Je te jure que j'allais le faire dans le sourcil, pas dans la barbe. Ah ouais? Parce que vas-y, sourcil, ça fait un style un peu prisonnier, t'as vu? Quoi? Hein? C'est du maquillage. Celui-là, j'aimerais pas, juste parce qu'il fait chaud sa mère et je péterais un plomb. Dans cette cloche-là, il y a des cookies que j'ai achetés à la Fabrique Cookies et ils sont incroyables. Et là, t'as du maquillage que tu vas te mettre. Du maquillage, mascara, eyeliner, gloss, brille. Il fait chaud, non, oui, mec, oui. Donc là, il y a les cookies et là, il y a le maquillage. C'est ça, les cookies sont là, le maquillage, il est là. Tu me fais confiance ou pas, enfoiré? Pas du tout. Il y a marqué Choice sur ton t-shirt, alors choisis. Ok, allez, 3. Bah, attends, frère, toi, t'as eu 20 minutes, lui, t'as 35 minutes. Ok, bah, je prends déjà. Vas-y. T'es sûr? Ouais. 3, 2, 1. Oh, putain. Oh, putain. Oh, mec, j'ai essayé de le perdre. Ah, on a bien rigolé, mais là, c'est ma pire cloche que je vais amener pour toi. Encore sur moi? Son élastique. Alors. Dans la première, enfin dans une des cloches, il y a un élastique. Et dans la deuxième, c'est un bon cadeau pour faire un saut à l'élastique. T'en as déjà fait un? Bah non, mais j'aimerais bien en faire. Non, c'est vrai?
Bah j'espère, je tombe sur le saut élastique alors. Il est où le saut élastique s'il te plaît? Il est là. Vraiment, je vais faire un saut élastique? Ça, il est pas normal. Je te jure, j'ai trop envie de faire. Ah putain, je le veux moi, mon saut élastique, merde. Donc là, il y a l'élastique et là, il y a le saut élastique. Ok. Bah je prends l'élastique. Comme ça, quand tu referas ton projet cheveux longs. Oh non, j'ai trop le seum, je fais trop. Oh, j'ai trop le seum, frère, j'aurais tellement voulu. Il est super bizarre ce type, il était content. À moi, il était quoi? Je vais me venger. Ok, vas-y. Sur qui? Sur toi. Ah, sur moi? Ouais. Ok, vas-y. Je dois le dire, c'est les pires cloches qu'il y a eu. Ouais, j'étais à deux doigts de perdre un sourcil, frérot. C'est les pires. Dans cette cloche, il y a des croquettes pour chiens. Et dans cette cloche, des Kinder Bueno. Moi, franchement, je préfère les Kinder Bueno. Hein. Ah, c'est clair, même moi, je pense que je préfère les Kinder Bueno. Je suis pas un plein de clébards, hein, waf waf. Hein. Tu me mens pas. Je te mens pas. Ça, franchement, c'est le regard d'un mec qui dit la vérité. Vas-y, maintenant, tu me dis la vérité. Kinder Bueno, croquettes, frère, ça y est, je te le dis 6 fois. Je prends les deux. Ok. En vrai, j'avais tellement pas envie que tu manges ça, parce que je savais personnellement que t'allais vomir. Deux employés ont été pris en flagrant délit après avoir cassé une cuillère en deux. Mais attention, le chef custo débarque pour mener l'enquête et démasquer le coupable. Qui va se faire griller? Mais gros, il a écrit ses cellars sur le truc. C'est quoi ta qui? Moi qui veux la casse. T'es un bâtard, j'ai juré. Toi, t'es un bâtard. De toute façon, je te parle. Regarde, il a fait quoi? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Moi, de toute façon, je te parle plus. Pourquoi c'est cassé? Oui, il a cassé la petite cuillère. Moi, je parle plus. Hein. C'est même pas moi, je te jure. Là, il y a vraiment marqué c'est CR sur la. Ouais, mais est-ce que c'est mon écriture? La cuillère? Non. Voilà. Je suis trop fatigué pour mentir. Attends, c'est vraiment toi? Donc, t'assumes? Non. Qui a fait ça, putain de merde, je vais péter un câble. C'est pas moi. Il va être viré celui qui a fait ça. Non, tu crois que je vais faire des choses? Je vais virer ma femme, moi. Moi j'étais en train de travailler, je servais 2-3 clients, les 200 clients par jour là. Allez, dans mon bureau. Ah, ouais, en plus il met la casquette à l'envers comme les délinquants là. Pourquoi tu m'as convoqué dans ton bureau là? Bon, qui a cassé la cuillère? Écoute-moi bien, je vais te poser une question. Qui a le stylo? Timote. On dirait vraiment un petit coin d'école là. Là, ton regard il me commence à me vénère là. En plus, t'as vu, il a retourné la casquette, il fait un peu le délinquant là. T'as quoi à dire pour ta défense toi? Ah, fuck. C'est pas moi qui ai cassé la cuillère. Ok, écoute, ça va être simple. Pour moi, celui qui a pété la petite cuillère, j'en ai vraiment strictement rien à foutre. C'est CR. C'est pas moi, gros. L'imposteur se dénonce. C'est ton dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. C'était toi? C'est moi. À toi. Bon. Bien déjà, on écrit. C'est pas nous. C'est pas moi. J'ai écrit, c'est pas moi. On dirait un médecin. Qu'est-ce qu'on fait? Bah, personne la casse. Oh non, il a cassé la cuillère. Seigneur. C'est bon. Viens. Monsieur, c'est lui. Abbé, qu'est-ce que t'as fait, Abbé? Tu joues à quoi, la zabi? Qui a cassé? Pourquoi on dirait un kebabier? Qui a cassé? Vous avez pas vu Mehmet? Sauce à moi, pour moi, s'il te plaît. Regarde-moi, Anthony. C'est les caméras de surveillance. Ah, tu m'as passé ce putain de mec. C'est toi qui a cassé la petite cuillère là? Hop 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 là, allez vous installer sur les chaises. Je vais vous interroger là. Et oh, qui a cassé la cuillère là? Oh, c'est lui. Ok, moi je pense que c'est Anthony. Décision sûre? Ouais, je suis 100% sûr, c'est Anthony. Que l'imposteur se lève. Ok, c'est moi. C'était lui. Ouais. Ça, j'ai trop la haine, je suis trop nul. Bon. Je suis nul pour mentir. Ok, moi je suis fort. Depuis le début, je l'ai jamais cassé. Oh, t'es un bâtard. Ouah. Chef Timoute. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? C'est lui. Non, allez faire le cuistot là. En vrai, non, il y a des clients, regarde, ils attendent la terrasse, t'as rangé la terrasse? Oui, il est pas là, Michou, il est pas là, dégage. Non, les photos, c'est après. Après. Ah, oh, boss. Ah, oh, putain, il a découvert ta connerie, putain de merde. Mais gros, c'est ta connerie à toi, comment tu mens? Qui a fait ça? C'est Anthony Priolo. En fait, vu qu'il a pas eu d'inspi, il a fait rata. Vas-y, tiens-le-moi comme ça. Oui, allez, une deuxième fois. Allez vous asseoir là. Bah non, ça y est. Allez vous asseoir. Moi j'y vais pas, c'est pas moi. C'est simple, efficace, c'est pas moi. C'est simple, basique, comme Aurel San, c'est Anthony Priolo. Je crois qu'on va y passer la nuit, hein. Moi je rentre dans un restaurant, je vois le chef, c'est lui, je sors. C'est toi? C'est Anthony. C'est toi? Mais c'est pas moi. Mais je te jure, c'est pas moi. C'est toi? Mais je te jure. C'est toi? Mais non. Bah si, que celui qui a fait la connerie qui se lève. Ah mais putain, j'avais oublié que c'était moi. Je te jure. C'est toi? Oui. Let's go.
Tiens, on va enfiler ce nouveau costume. Vu que t'as perdu, on va s'amuser un peu. Non, risque d'étouffement. Tu y vas et tu reviens. Comme ça, il y aura plus de suspense. Parfait. Au repas pour notre petit wouf wouf. Des petites friandises. Et là, pareil, poulet d'Inde. T'en l'ouvre pour ressentir. Non. Entre deux cloches. Il y a quoi dans les deux? Bah je te dis pas, c'est la surprise. Oh putain de merde, c'est quoi dans l'autre? Oh yes, je suis content d'avoir ça en vrai. Ouais, en vrai c'est mieux mec. Oh, là, je suis même go, parce que moi la pâté. Texture ça m'aurait fait voler. 100. Oh ouais. ça va. Croque un bout, t'as un chien qui a pas trop la dalle. C'est mou en plus. J'arrive pas. Il est dans un RP de chien. Vas-y, fais un petit. J'arrive pas. Attends, faut que je me rassure, c'est à quoi? C'est au poulet, là, il m'a mis. C'est du poulet. C'est un Dakar. C'est dégueulasse, je vous jure, c'est dégueulasse. Passez-moi de l'eau, par pitié, passez-moi de l'eau. Tu peux répéter, s'il te plaît, t'as dit quoi? Tiens, ouais, c'était pas si mal que ça. Sérieux, vraiment? Mais tu sais que j'ai des larmes, hein. J'allais vomir. Hein. T'allais vomir pour moi? Oui, je t'imaginais et tout, je me suis dit, oh le pauvre. Mec, franchement, bravo, t'es vraiment trop chaud, mec. Mec, c'est un malade. Tu l'aurais jamais fait? Moi non plus. Bah, en fait, je sais que je l'aurais mangé, j'aurais été vomir direct. Tout le midi là, en vrai, c'est le meilleur régime au monde. Tu manges des croquettes pour chien. Vraiment. Bon, les gars, là, il y a un truc à faire qui me tient vraiment à cœur. Et c'est le dernier gros truc de la vidéo. Après, c'est. On va pouvoir dormir. Je crois que c'est le plus dur mentalement. Ça veut dire d'écrire un son dans Mili. Les gars, le refrain, on fait j'aime au Mili. Non, je suis au Mili. J'ai tout sauf envie de faire ça. Les gars, on fait un truc super rapide, très rapide, très simple. On prend une petite pause avant le son. Ouais, donc pour commencer à préparer votre plume. Alors, attends, on va commencer par Monsieur Timout. Un mot pour décrire cette soirée pour l'instant. Bah, tout était bien jusqu'à temps que tu dises qu'on va devoir faire un son. Ok. Un mot pour décrire cette soirée. Inoubliable. C'est beau. Il y a aussi dernier happening, après c'est vraiment terminé. On doit tous se tatouer le M de Mili. En vrai c'est beau, ça fait un cœur. Tu mets sa main, il est chaud. Ok. Et il est 5h et il est temps. Vous voyez l'ordi, le micro, Mili. On va écrire un son sur le thème Mili. Moi je suis déter. Hein. Vous avez de l'inspi? Non. Non. Première étape, choisir la prod. Deuxième étape, ChatGPT. Ouais c'est bien hein. Mili, Mili, Mili. Je suis dans Mili, je prends un Blablacar. Non. Je prends un Blablacar. Je suis au Mili. Et je mange un Miami. Je suis au Mili. Qu'est-ce que je fous là? Ça pue la merde. Allez c'est parti. 15 minutes. J'en rêve tous les jours. Je le vois devant et sur mon écran. Dès qu'on m'en parle. Tu es à fond dedans. C'est pas du tout dans les temps par contre moi. On a tous les trois écrit des choses catastrophiques. Justement, je veux absolument avoir ce point MP3. Vas-y, viens à ton midi. Ah, c'était fini les gars. Avec tous mes amis. Fais pas la tronche, viens avec tes amis. Bon, on n'est pas dans la musique de base, hein, au cas où. Ah bon? Pour les gens qui vont être en mode, mais c'est nul. En même temps, on a vraiment respecté, on avait vraiment eu 15 minutes. Oh. J'en rêve tous les jours. Je le vois devant et sur mon écran. Dès qu'on en parle, tout de suite je suis à fond dedans. Ça y est, je la vois. Et je mange un Miami. Pas de chichi. Viens avec tes amis. Bon les gars, on dort? Oh, wow. 6h36. Il fait jour. C'est quoi? Je vais arrêter la terre entière. Oh ouais. Enfin, vous inquiétez pas, moi je vous montre la tente. On a l'ambiance au milieu, hein, les gars. Allez, bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit, oh oui, ça fait du bien. Coucou, c'est moi. On va bien dormir ce soir, les puputes. Ouais. Et avant de dodo, un petit croc dans le milieu. Oh, il est incroyable, oh, c'est au poulet. Oh, il y a du guacamole. Oh ouais, le croc dans le milieu. Allez, toi aussi, Timou. J'ai déjà pris tout ça. Putain, j'avoue, il est pas mal. C'était quoi ce petit bruit là? J'arrivais pas à ouvrir la bouche. Bah, allez, bonne nuit les gars. Good night, guys. Bah, à demain. Bonne nuit tous ensemble. Ouais, ouais. Mili, Mili, attention.
Je suis au Mili, nanani, nanana. C'est pas ça. Je mange un Miami. Je mange un Miami. J'adore sur cette question à chaque fois. Vous avez bien dormi? Non. C'est encore pire que les autres fois parce que là, on a le temps de s'endormir et tout ça. Ah ouais. Et de se faire réveiller dans le sommeil profond. Non, en vrai, ça va. Je dis juste, j'ai pas aimé dormir sur un matelas qui ressemble au sol. Merci d'avoir suivi la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à leur chaîne YouTube qui est en description. Et surtout, dites-nous, la prochaine fois, on dort où?